Européens et des grandes syndicats. Et c'est ça, Pessah. Pessah, c'est aussi étonnant, mais c'est ça, Pessah. Pessah, c'est la fête de la Géoula, la délivrance. La grandeur de Myriam. Avant qu'on parle de Moshe Rabbeinu, viens, on va parler de Myriam. La grandeur de Myriam. C'est quoi la grandeur de Myriam? La émouna qu'elle avait. Avec la permission du Rosh Kollel, Rechim, il y a une Mishnah dans Sota, une Mishnah extraordinaire. Bida Shadam Odet Ba Modedim Lo. Ça, c'est la femme Sota. La femme qu'on ne sait pas si elle a trompé son mari ou pas. Alors, la Mishnah, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans les détails de la Mishnah, mais uniquement. La façon que l'homme il se comporte avec Hachem, on se comporte avec lui. C'est tout. Elle nous fait la tzedaka, et bien quand je me fais avec lui la tzedaka. Je ne vais pas rentrer dans la halakha de Sota. Slam. Un homme, il sauve son ami d'une boucha, d'une honte. Quand je me refais aussi, il va le sauver d'une honte. Beaucoup de fois, j'ai vu des expériences extraordinaires. Des gens qui ont fait du bien autour d'eux, et à Kadosh Baruch Hu, il leur a fait du bien. Ça veut dire Mida Kenegid Mida. Comme celui qui vole à quelqu'un, alors Menachem, on va lui voler. De la même façon que quelqu'un qui fait du Hesed à quelqu'un, Menachem, on va lui faire du Hesed. Alors, hier, j'ai vu dans. Qui rapporte. Celui qui, je crois, c'est un de votre famille, qui a écrit le Sihot de Rabbeinu Gershon à Lava Shalom. Il rapporte, Rabbeinu Gershon à Lava Shalom, il pose une belle question. Il dit, sur le Passouk, sur Myriam, lorsque son frère Moshe Rabbeinu a été jeté dans la mer. Lorsque sa mère, Yochebed, elle a mis dans le petit berceau, elle a mis dans le Nil, c'est écrit, et que sa sœur Myriam va tisser fachoto, merahok, le hot maya aselo. Et sa sœur Myriam, elle est restée de loin, elle a attendu de loin pour voir qu'est-ce qui va devenir son frère. Et Myriam, c'était une petite fille, hein, Myriam, c'était pas une femme, c'était jeune. Et le Midrash dit, parce que Myriam, elle a attendu, elle est restée debout, le temps que Batia, elle vient, et récupère l'enfant, quand je lui dis, toi, tu as attendu, c'est la Gemara elle parle de ça plus tard, elle lui dit, toi, tu as attendu, alors, un jour, je vais te rendre la monnaie. Et il s'est passé qu'un jour, lorsque Myriam avait la lèpre, et a priori, une fois qu'elle avait la lèpre, alors les Juifs étaient dans le désert, alors les Juifs, à Israël, ils ont attendu 7 jours jusqu'à qu'elle a guéri. A priori, à Israël devait partir. Mais Hachem, il a dit non, attendez jusqu'à qu'elle guérit. Elle a attendu son frère pour voir qu'est-ce qu'il va devenir. Alors, vous tous, vous allez attendre 7 jours. Regardez, avant que je rentre dans les détails, c'est une petite constatation à moi, personnelle. Je commençais à réfléchir hier soir. Je dis, combien elle a attendu Myriam? Combien elle a attendu? 1 heure? 2 heures? 3 heures? Et là, c'est pas possible. Vous savez que le Nil, l'eau du Nil, ça marche. Ça veut dire que ils ont posé le berceau, et pendant ce moment, elle a vu le Batia. Elle a vu le berceau.
Donc c'était combien? Une demi-heure, un quart d'heure, 20 minutes, combien? Parce qu'elle a attendu un quart d'heure, 20 minutes, une heure, HaKadosh Baruch Hu, il a récompensé 1000 fois plus. À Israël, ils ont attendu 7 jours. Ça veut dire que nous, lorsque nous on fait un Hesed, Bikitsur, d'après ce que je vous dis, je comprends la Mishnah. La Mishnah, il dit, la Torah, elle n'a pas donné de limite à une récompense. Une mitzvah qu'un homme, il fait, il n'y a pas de limite à la récompense. La Torah, elle n'a pas dit, quelle mitzvah que tu fais, Hachem va te donner une récompense. Parce que, on voit les toutes petites mitzvot que la Torah a données, elle a donné des récompenses énormes. La mitzvah de, comment ça s'appelle, de Shiloh Haken. Par exemple, tu trouves des pigeons et tu renvoies la mère et tu prends les enfants. C'est rien du tout, ça coûte rien du tout. Alors, pour ça, la Torah dit que tu as une longue vie. Une longue vie. Et tu as donné la récompense à côté tout de suite. Alors, imaginez-vous toutes ces mitzvot qu'on fait. Là. C'est la raison pourquoi on ne sait pas. Regardez la bouteille. Myriam, elle a attendu quelques heures. Akashro lui a dit, tu as attendu quelques heures. Peut-être quelques minutes. Alors je vais faire qu'à Israël, lorsque tu auras la lèpre, ils vont t'attendre 7 jours. Vous imaginez quoi 7 jours pour Israël de rester dans le désert? Parce que, vous savez, le désert, c'est le désert. C'est souffrant le désert. Mais étant donné qu'à Israël, ils avaient besoin de Be'er Myriam. Ils vont partir où? Vous allez partir. Vous partez dans le désert 7 jours. Et l'eau? Et l'eau? Maïm? L'eau, il suivit Myriam. Et si Myriam, elle a la lèpre, et Myriam, elle ne bouge pas de sa place, alors le bébé, Myriam, ne va pas bouger de sa place. Et s'il ne bouge pas de sa place, Amisraël, ils ont un problème. Ils vont mourir de soif. Donc, Amisraël, ils ont attendu 7 jours. De toute façon, ils étaient reconnaissants déjà, Myriam. Merci Myriam, merci, grâce à toi on boit de l'eau. Ça, la bouteille, c'est pas ça mon c'est pas Rabbi Gershon Liebman Alva Shalom, que je lui dois beaucoup de ma vie. Il pose une belle question. Il dit, pour ça Hachim, il donne récompense. Mais c'est l'attendu. C'est son frère. C'est Rahmanout. Attends, moi, imaginez-vous que ma sœur, elle me voit. Elle voit ma sœur, comment on me jette. On me met dans un berceau. Elle va avoir de la peine. Elle va attendre. C'est logique. Pour une chose logique, on ne donne pas de récompense comme ça. Bécédère, si, je comprends très bien. S'il y avait un Nyan que nous, on ne comprend pas, Bécédère. C'est par exemple, elle était malade, ou elle a attendu... je comprends, mais là, c'est logique, là on parle, si elle aurait fait ça à l'étranger, on comprend, mais là, elle fait ça à son frère. Je vous parle, parce qu'on approche Pessah, et on va se voir rien qu'après Pessah, et c'est la raison pourquoi je veux parler aujourd'hui sur Pessah. Je veux parler aujourd'hui sur les choses, les raisons pourquoi on fait Pessah, les raisons, c'est quoi exactement? C'est quoi notre préparation à Pessah pour Be'ez Hashem? Parce que Pessah, c'est la première fête quoi, que je vois qu'on nous a donnée. Pessah, c'est la fête de l'Aïmouna. Pessah, c'est la fête d'éducation. Hodesha Aviv. Pessah, c'est la fête de Pessah, c'est aussi la fête de la Tshuva. La Tshuva Bissimha. Lorsqu'on dit Arizal Kadosh, on brûle le Hametz. En même temps qu'on brûle le Hametz, on brûle l'Averot aussi. Aussi lorsqu'on fait la Bdika, lorsqu'on fait Bitoul. Il faut qu'on ait mes battels, tous ces regèches, tous ces mes deux traoutes qu'on a, et mes battels annulés. Et le bitoul, c'est aussi bidika, faire des recherches. Tout, il y a de Hametz dans le Kabbalah. Lorsqu'on parle de Hametz, c'est le Tzara, le Hametz, c'est une teshuvah misimha. Alors que Elul, c'est Tishri, c'est. C'est la Teshuvah Mir'a, mais Pessah, c'est la Teshuvah dans une bonne ambiance, Ahdout, Tikkun, on répare les Midot pour se préparer pour Matan Torah. C'est tout, Pessah, c'est quelque chose de. C'est une fête, c'est la première fête.
C'est la Géoula, c'est la délivrance, c'est se sentir Bilhourin. Et ce qui est Bilhourin, c'est uniquement ce qui est Bilhourin. C'est quoi un homme libre? Un homme libre, ce qui n'a pas d'être Sarah, c'est un homme libre. Et tout ça, sinon, aujourd'hui, malheureusement, on ne sent pas Pessah comme avant. À Essaouira, j'étais jeune, Bémet, on sentait Pessah. On sentait beaucoup la fête de Pessah. Mach, on la sentait, pourquoi? Parce qu'à Pessah, il y avait l'odeur de Pessah. Bémet, on sentait Pessah. Je ne sais pas si vous connaissez quoi l'odeur de Pessah. Vous connaissez quoi l'odeur du parfum? On sait peut-être l'odeur de Kippour, mais Pessah, il a une odeur spéciale. La propreté. On sent Javel, on sent beaucoup des produits avec quand on lave la vaisselle, les produits de la maison, la peinture, mais au-dessus de tout ça, ça s'appelle, pourquoi on fait ça? Pessah. Toujours je raconte une histoire de Gabi Elbaz. Gabi Elbaz, c'est le président de la yeshiva de Lyon, sa mère, c'est une femme tzadikette, elle est encore vivante, Admea Berisrim. Et sa mère, elle est, pour elle, Pessah, c'est, mamache, elle est très, très stricte à Pessah. Mamache, je peux vous dire que cette femme-là, je peux dire que c'est l'une des femmes rares que j'ai vues qui font Pessah. À tel point que toutes, même au bois, elle fait la gala. Alors, son fils, j'ai dit, maman, mais la gala, uniquement la gala pour les choses de faire, pas le bois. Tu gâches le. Et c'est vrai, tu gâches le. Il a dit, on ne joue pas avec Pessah. Et à tel point, une fois, il rentre chez elle à minuit, parce qu'il savait qu'elle était très, très, très dure, jusqu'à 2-3 heures du matin. Elle la voit allongée par terre, en train de nettoyer un trou qu'il y avait dans la machine à laver. Et je dis, maman, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, quand tu es venu. Je lui dis, mais maman, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais peut-être. Maman, peut-être quoi? Même si, Tim Tseloma, même si tu dis qu'il y a du Hametz dans les vêtements, et qu'il est bloqué dans la machine à laver, ah, mais avec tout la vaisselle, produit de Javel, le Tide, tous ces homos, tout ce qu'il y a dans tous ces produits-là, quand on lave les vêtements, ça, le Hametz, il devient Hametz que même le chien ne peut pas le manger. Et on a une halakha que ce que notre chien ne peut pas manger, c'est pas Hametz. Il lui dit, mais c'est du Hametz. Et soudainement, elle crie devant son fils, un cri, je l'ai trouvé. Il dit, trouve quoi? Voilà. Elle lui montre un morceau de pain. Tu vois, je l'ai trouvé. Dis-moi, ce pain-là, c'est pas du pain, regarde bien. C'est du pain, c'est pas de la baguette, ça. C'est pas de la baguette de ton fils, peut-être, ou de mon mari, et qu'on l'a laissé dans une nappe, et voilà, elle est là. Il la regarde. Il embrasse sa tête. Il dit, maman, j'ai rien à te dire. C'est bien, j'ai rien à te dire. Pessah, c'est la fête de maman. C'est vrai qu'on pouvait chercher, mais croyez-moi, c'est vrai qu'on pouvait un peu se chercher nous-mêmes comme on se cherche dans la Birkat Hametz. C'est vrai qu'on pouvait se chercher. C'est vrai que nous, personnellement, chacun de nous, il se cherche un peu. Vous savez quand on se cherche? Je vais vous raconter. Il y a une famille de Toulouse, un couple de Toulouse, la famille Alouche. J'ai promis que je fais ce cours de Torah à la mémoire de leur fils. Ils sont venus chez moi hier. La semaine dernière, leur fils était vivant. Il n'avait que 6 mois. Il n'avait rien du tout. En bonne et parfaite santé. Et vers 10 heures du soir, ils sont entrés et l'ont mis au lit. Et la mère, elle me raconte hier, chaque fois elle se lève pour aller voir comment va son fils. Elle sentait quand quelqu'un qui la retenait ne rentre pas, il dort. Encore, elle se lève pour aller voir son fils. Elle arrive à la porte, et on dirait qu'il y a quelque chose qui lui dit, ne rentre pas, il dort. 3, 4, 5 fois, pendant une heure, elle se lève pour rentrer, elle ne rentre pas. À la fin, elle dit, il faut que je rentre, ça fait 4 fois que je rentre, je ne rentre pas quand même. Alors, elle dit à son mari, toi tu rentres. Son mari rentre,
Il pousse un cri, le bébé était mort. 6 mois. Rien. Rien du tout. Rien. Rien. Il a rien du tout. Les médecins ne comprennent rien du tout. Aucun compte. Alors, hier, elle est venue chez moi, elle et son mari. Ils ont pris un avion pour venir de Toulouse. On veut savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit réparer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Vous étiez, arrêtez mon temps. Vous les avez eus hier. Alors j'ai commencé à leur dire, peut-être il faut faire ça. Peut-être il faut faire ça. Peut-être il faut faire ça. Et peut-être il faut faire ça. Ça veut dire que malheureusement, lorsqu'on a des problèmes, c'est là qu'on fait une bdika. C'est là qu'on réfléchit. Pourquoi Hachim a fait ça? Peut-être c'est à cause de ça. Peut-être c'est à cause de ça. Alors, mais je fais ça. Mais peut-être je ne le fais pas bien. C'est vrai qu'on faisait un peu de bdikat hametz personnel, comme qu'on fait comment on fait bdikat hametz. On peut être des grandes tzadikim. Et c'est ça Pessah. Pessah, c'est aussi, étonné, mais comme c'est ça Pessah. Pessah, c'est la fête de la Géoula, la délivrance. La délivrance du Yitzhara, du Satan. Pessah, c'est aussi la Géoula de quoi? Être ben hurim, être un homme libre. Être libre du Yitzhara, c'est plus Yitzhara qui veut me dire quoi faire, quoi ne pas faire. C'est moi qui vais faire ce que je veux faire. C'est pas lui de ça qui va me dire quoi faire. C'est pas lui qui va me dire réveille-toi, ne pas te réveiller, fais cette mitzvah, ne fais pas étudier, ne pas étudier. Non. Non. Et c'est ça. C'est ça. Et la fête de Ben Hori, et la fête de Pessah aussi, c'est une autre fête. C'est quoi? C'est la Hachana, la préparation de Matan Torah. La Hachana, la préparation de Matan Torah. C'est pour ça qu'on compte. Le Sfirat HaOmer, on compte chaque jour. Chaque jour, c'est une préparation. Chaque jour, on compte jusqu'à Shavuot, jusqu'à Matan Torah. Donc, quelque part, la fête de Pessah, c'est une fête qu'elle. Je pense, à mon avis, je pense que la fête de Pessah, elle englobe tout. Elle englobe. Et le bitachon, à Kadosh Baruch Hu, avoir espoir en lui, l'aïmouna, à Kadosh Baruch Hu, la foi, l'itazek, se renforcer, d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. Pessah, ça veut tout dire. Et je pense que Pessah. Alors, d'un côté, Hakamim, ils te disent, il y a le mahlokot de la Gemara, c'est quoi le mieux, Bitoul ou Bdika? Et finalement, la Gemara, elle dit, à la fin, c'est mieux de les faire les deux. C'est mieux de les faire les deux. Le Bitoul et la Bdika, c'est mieux de les faire les deux. C'est mieux de les faire les deux. C'est quoi, c'est mieux de les faire les deux? Je vous pose cette question. C'est quoi, c'est mieux de les faire les deux? Bon, il y a le mahlokot de Rachid, tout ce faute, Rachid dit, c'est de Raïta. Et l'abdika, tous ceux qui disent non, l'abdika c'est des rabbanan, l'abdika c'est. Il faut faire bitoul, c'est bitoul de raïta. Mais je m'étends à la fin, à Kopanim, je ne veux pas rentrer dans comment on explique Rachir. Moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez, Hakam? Je fais l'abdika et pas le bitoul, ou je fais le bitoul et pas l'abdika? Non, et c'est mieux. Tu habites à la maison où il y a Hamet, Shimim Tsaglouska Yafa, peut-être tu vas trouver une baguette. Alors c'est mieux de faire l'abdika. Tu fais le bitoul, fais-le, mais peut-être tu vas trouver, c'est mieux de. Vous savez, Rabotai, le bitoul, si on parle que Pessah, c'est aussi Inya de Tsahara. Hamet, c'est Inya de Tsahara. Hamet, ça veut dire que même si je mets Batel, même si j'annule, tous les mythes de Tsahara que j'ai, je les annule. Il faut se travailler là-dessus. C'est pareil. Ça y est, je ne vais plus le faire. Non, il faut faire teshuva. Il faut faire la bdika. Le bitoul annulé, c'est pas. Même que annuler le hamet, ça vaut. Tu n'es pas. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faut faire la bdika. Si tu sais qu'il y a le hamet à la maison, il faut l'enlever de la maison. Le bitoul, c'est pas. Peut-être que tu vas te tromper, tu vas oublier, c'est pas ça. Demain, ma rabotée. Même que j'annule. Essaye, j'annule tous les mythes de Tsahara, toutes les mauvaises choses que j'ai en moi, je les annule. Non. Il faut travailler pour les annuler. Il faut se travailler sur, pour les enlever. Il faut leur faire un bdika. Ma mâche bdika, il est brûlé. Il faut que ça sorte. J'ai vu dans la Bnei Roham, dans beaucoup de sifrim pour Ali Moussa qui disent qu'on a beau chercher à annuler les Tsahara, mais les Tsahara, il a ses cachettes. Il a ses cachettes que personne ne sait où il est. Donc, quelque part dans le cœur, il a ses cachettes. Et beaucoup de fois, l'homme, avec tout ce qu'il peut être, ça peut être mitzvah, ça peut se réveiller en lui. Un peu de Sarah, un peu de Machéo. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose. Ces amis, je sais qu'ils vont voir ce que je suis en train de vous dire. Hier, ils m'ont montré quelque chose, ça m'a effrayé. Ils m'ont montré leur téléphone.
ils ont filmé la semaine dernière le petit qui est mort à l'âge de 6 mois et la petite qu'ils étaient ensemble en train de prendre dans la petite baignoire. Écoutez bien, ça m'a donné. Et c'est elle-même, elle dit, ah bien David, regardez bien ça et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Et je vois, et je vois qu'il rigolait. Déjà, j'ai eu de la peine de voir un bébé qui n'est plus là, qui rigole, qui joue avec sa sœur. Déjà, ça m'a fait beaucoup de la peine. S'il était là, il est là, mais sachant qu'il n'est pas là, sachant qu'elle est encore la pauvre dans les 7 jours de son fils, la pauvre. Et je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois que la petite, elle regarde son frère, et lui dit, elle fait, ah! Elle a vu quelque chose. Ah! Elle essaie de l'enlever. Fille d'un an et demi. 2 ou 3 fois, elle a fait ça. Alors, j'ai récupéré, j'ai vu, j'ai dit à madame, c'est bizarre tout ça. Je me dis, Rabbi David, c'est-à-dire, elle a vu quelque chose. J'ai dit, ouais. Ouais, elle a vu quelque chose. Parce que, Bémet, je lui ai dit hier qu'il faut qu'elle enlève, il faut qu'elle efface, parce qu'elle peut devenir folle. Parce que c'est Bémet, c'est. Parce que, vous voyez, 2 enfants, un de 6 mois, un d'un an et demi, et celui d'un an et demi, il joue, ah! Tout de suite comme ça. Elle pointe sur le visage. 2 ou 3 fois, elle a fait ça. C'est-à-dire, elle a vu quelque chose. Malheureusement, c'est maintenant que les parents, ils font des recherches spirituelles. Peut-être on a fait des averot. Quelle averot on a pu faire? C'est ça, Bdikat Hametz. Bdikat Hametz, le moussard de Bdikat Hametz, c'est de te rappeler, est-ce que tu fais comme que tu fais, Bdikat Hametz, que Hametz, il est assoubé maché, ou que le Hametz, même Hametz, il n'est pas batel, il n'est pas, comment on dit batel? Il n'est pas annulé, même si on prend une marmite d'1 milliard de kilomètres, il y a là-bas une baguette qu'elle tombe dans cette marmite-là, elle n'est pas annulée, cette marmite. Elle n'est pas annulée. Parce qu'on dit, beaucoup de fois, on dit que un morceau de viande taref qui monte, qui tombe dans une grande marmite cachère, on dit, eh ben, tu peux manger. Pourquoi pas, le taref, il est annulé avec la quantité qu'il y a dans le repas cachère. Il paraît, une fois, dans une shiva, ils ont même trouvé un chat de la Dafina. Ils ont trouvé un chat dans le Tchoulen, dans une grande shiva. Et le Rav passa, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai entendu, je ne veux pas prendre un avéra, je ne sais pas. Et le Rav a dit, bon, il faut l'enlever, mais battez le béro, mais c'était un chat ou un souris, mon Rav. Je ne sais pas si c'était... Bon, à coup de panim, je ne sais pas si c'est un petit chat, je ne sais pas. Bon, à coup de panim, je ne sais pas si c'était un chat, je ne sais pas quoi. Il faut être mébarré, c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas. C'est une histoire, peut-être une blague. Peut-être une blague. Moi, de toute façon, même si je trouve une moustique, je ne mange pas de... Ouais, la plus forte raison, si je trouve là-bas un cafard, là, il stoppe. Moi et le cafard, on ne peut pas vivre ensemble, ou lui ou moi. Une fois, je rentre dans ma chambre il y a quelques années et je trouve un cafard en Israël. Eh bien, je lui dis, c'est pas possible. Ou lui ou moi. Et je m'appelle l'Ahmo, Monsieur Akoka l'Ahmo. Il était rabbi David, c'est rien du tout. Je lui dis, c'est rien du tout pour toi. Pour moi, c'est quelque chose. Mais pour vous dire, Rabotai, c'est rien qu'on avait peur de Akash Borou, qu'on a peur d'un cafard. Une fois, mon père me l'a dit. Mon père m'a dit, David, c'est vrai que tu as peur de HM, comme tu as peur du cafard. C'est vrai que tu as peur de Akash Borou. C'est un autre, ça fait rire, mais ça donne à réfléchir. Donc, à Bouteille, tout cela, c'est. Donc, on a posé une question sur Rabbeinu Gershon Alva Shalom, et il nous pose une belle question. Il pose cette belle question, la question qu'il pose. Que pourquoi la Torah, pourquoi Akadosh Baruch Hu récompense Myriam? Parce qu'elle a attendu son frère quelques heures. Parce qu'elle a attendu Akadosh Baruch Hu, il a fait que lorsqu'elle avait la lèpre, Amisraël a attendu 7 jours.
Bimida shadam moded modedim lo. Akadosh Baruch Hu fait mida kenegid mida. La façon comme l'homme il se comporte, on se comporte avec lui dans le ciel. Même si un homme il fait du avera, si un homme il fait du mal à quelqu'un, moi j'ai vu avec mes propres yeux comment quelqu'un il a donné une gifle à quelqu'un à la yeshiva. Je me rappelle, j'étais jeune, et je me rappelle, on sortait ensemble après, on est sorti, je ne sais pas, pour aller, Arif Shabbat, pour aller manger Shabbat à la Baït. Il y avait des gens qui venaient, ils marchaient, ça marche tranquillement, nous aussi on marchait tranquillement, et hop! Il reçoit une mamache, une claque, il a perdu une dent. Mamache, une claque. Mais, je lui dis, tu as donné une claque à cette semaine, voilà, on te l'a rendu. Qu'est-ce qu'il dit, Hillel HaZaken? Une fois, il a vu Golgolet, une fois, il a vu une tête coupée, qu'elle flottait sur la mer, ou pas? Et qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Eh ben, ce que tu as fait, on te l'a fait. C'est tout. Et ceux qui t'ont fait aussi, ils savaient l'arrivée pareil. Ceux qui coupent, ceux qui font du mal à quelqu'un, eh ben, quand je vois où il est puni. C'est tout. Donc, à Bretagne, toujours, on a cette question qu'on vient de poser. De Rabbi Nogershon à la Vachalom. C'est quoi, Fatit Tatsir, Ahoto Merahok? Elle a attendu pour voir. Mais c'est son frère. C'est normal, c'est logique. Elle a pitié, parce qu'elle a Rahmanot. Mais si elle a fait ça pour un autre, on peut comprendre. Mais, la Bretagne, j'y pensais comme ça. Si la Torah, elle donne une récompense à Myriam de cette manière, c'est pas ce Bémet Myriam, elle aurait fait ça même à un autre. La Gemara a dit qu'il y avait Shlusha Manhigim. Il y avait trois qui ont gouverné à Israël dans le désert. Trois. Moshe, Aaron et Myriam. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Myriam, elle avait cette qualité d'aider tout le monde. Quand on va t'aller à Myriam, même lorsque Amisraël, ils ont chanté, Azashi Moshe, Myriam, elle a pris les femmes. Elle a. Vous aussi, il faut chanter à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, pour moi, je pense que si la Torah, elle raconte cette histoire sur Myriam, c'est parce que la Torah, elle veut nous dire que si Myriam, elle a fait ça pour son frère, elle était capable de faire ça pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Pour n'importe quel juif, elle aurait fait ça. Mais dans la Bretagne, j'ai pensé encore un peu plus profond. Et c'est ça la beauté, je pense, la préparation du Yitzhak Mitzrayim. C'est important qu'Am Israël, ils lisent. Avant qu'on nous parle de Moshe Rabbeinu, la Torah nous parle déjà de la grandeur de Myriam. Avant qu'on parle de Moshe Rabbeinu, viens, on va parler de Myriam. La grandeur de Myriam. C'est quoi la grandeur de Myriam? La émouna qu'elle avait. Quelle émouna elle avait? La émouna qu'elle avait, vous savez très bien que lorsque Moshe est né, il y avait lumière dans la maison. Moshe, il est né à l'âge de 6 mois. Pas normalement. Il est né Mahoul. Il était circoncis. Et Myriam était, on l'appelle Myriam Anivéa. On l'appelle qu'elle était prophète. Elle a vu de loin. Elle a vu de loin que Moshe, il allait être le Goël. Et bien sûr, au moment que la maman du Chébet, elle a pris Moshe, elle l'a mis dans une teva, elle l'a mis dans le fleuve, là, dès que, comme le Midrash dit, Amram, le Gaon, le Gadolator, il dit, non, oui, ta Nevoa, elle est où? Oui, ta Nevoa. Ta Nevoa, elle est où? Tu as dit que celui-là, il va être le prophète, il va être le libérateur, et voilà, on va le jeter. C'est les crocodiles qui vont le manger. Voilà, c'est voilà, on va le jeter. Batitsev Ahoto Mera'a Batitsev. Batitsev Ahoto Mera'hok. C'est quoi Mera'hok? Mera'hok, ça veut dire même que c'est Rahok de croire, c'est loin de croire que mon frère ne va pas mourir, elle est restée debout. Parce qu'elle a vu Emouna. Que son frère ne va pas mourir. Je vous dis quelque chose. Vous ne vous êtes pas posé la question. Qui a mis le bébé dans la teva? Yocheved.
Ou pas? Ah, pourquoi c'est pas Yochebed qui l'attend? C'est la logique, ou pas? La logique que la maman, Yochebed, elle a mis le bébé dans la Teva. Yochebed, elle-même, elle va attendre, elle va pleurer, elle va attendre le pauvre, mon bébé, le pauvre, mon fils. On voit que Yochebed, elle est partie. Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle sait que son fils va mourir. Ils avaient l'habitude. Parce que parents, ils tuaient les enfants chaque jour. Les juifs de l'époque, ils se sont habitués à avoir toujours des enfants qui meurent. On venait, on prenait les enfants, on les jetait à la mer. Les gens, comme on dit, ça fait, ils sont habitués. Ils sont habitués de voir les enfants qui meurent. Même Yochebed, la propre mère de Moshe, ça y est, elle a compris que son fils il va mourir. C'est pour ça qu'elle est partie, elle est rentrée chez elle. Mais Myriam, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle dit, c'est pas possible. Ma névoa, c'est une névoa. C'est Moshe le Goël. Ça veut dire que le Teva, il est que même Myriam, elle ne devait pas rester là-bas. Mais elle, les hautes Maya Selo. Qu'est-ce qui va arriver? Je vois ma névoa à moi. Comment elle va s'accomplir? C'est pas est-ce qu'elle va s'accomplir ou pas. Elle s'est fait, oui ou pas. Comment elle va s'accomplir? Comment ma névoa, la névoa que j'ai eue, que Moshe va vivre, il va être le manhig, il va être le goël, de quel moyen, de quelle façon elle va s'accomplir? Ça, c'est une mouna terrible. Hein? Alors, Rabotai, vous comprenez très bien qu'il n'y avait pas ici un inyan de Rahmanout de la part de Myriam. Myriam, je réponds à la question de Rabbi Noah, ce n'est pas Hashu Shalom qui avait ici un inyan de Rahmanout, de pitié, que Myriam, elle était là. Si c'est la pitié, pourquoi pas ta mère n'est pas là? Pourquoi toi tu as plus de pitié que ta mère? Ta mère n'a pas de pitié pour voir qu'est-ce que ce fils va devenir et toi tu as la pitié pour plus qu'elle? Non, c'est pas la pitié. Maïa Arcelo, de quelle façon Akash va libérer Moshe Rabbeinu? Comment elle va être sauvée? De quel moyen? Celle qu'elle avait une grande émouna que son fils, que son frère, Bevechlal, il n'y avait aucun doute que son frère allait mourir. C'est sûr. Et c'est ça, Pessah. Mais vous comprenez pourquoi quand je vois Hou, il a donné récompense à Myriam. Par rapport à cette émouna, toi tu as attendu ton frère. Tu es resté debout quelques heures avec une émouna, avec une grande émouna, que ton frère, j'allais le sauver, il allait être sauvé pour qu'il soit un jour le manig. Alors toi, Am Israël, et va t'attendre. Pourquoi? Parce que si Moshe serait mort, ah ben, il n'y aurait pas eu Am Israël. Am Israël serait encore resté là-bas. De l'exil. Toi, tu as attendu pour que ton frère, comment ton frère va être libéré. Alors, quand je lui ai dit, même à Israël, ils vont te donner hommage, ils vont t'attendre jusqu'à que tu guéris. Pourquoi? Parce que c'est grâce à toi, c'est eux qui sont là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est Atsou. C'est-à-dire que même grâce à Myriam. Vous savez, Rabotai, il faut savoir une chose que je vais vous dire. La fête de Pessah. Il y a beaucoup dans la fête de Pessah. Il y a beaucoup de Inyanim dans la fête de Pessah. Vous connaissez la halakha, cette fameuse halakha. À Pessah, il y avait beaucoup de gens qui s'associent de le Korban Pessah, du sacrifice de Pessah. Si les gens n'ont pas les moyens, et moi, j'ai les moyens, j'achète un agneau. Et puis, j'invite Rabotai, vous voulez s'associer avec moi? N'apportez pas d'argent. Allez, venez. Mettez les mains sur la tête du mouton. Et voilà, vous êtes associé avec moi. C'est une mitzvah extraordinaire. Hein? C'est Dieu que la Torah. Mais la Torah, elle oblige tous les pauvres à monter en Eretz Israël. Ah, mais j'ai une question. Je comprends ceux qui vont faire Korban Pessah, qui montent en Eretz Israël à Yerushalayim. Parce qu'il y a une mitzvah de faire le sacrifice de Pessah. Je comprends très bien, je comprends. Mais un pauvre qui n'a pas, il n'a pas. Bon, il est en bonne santé. Il n'est pas un os. Il est en bonne santé. Je ne comprends pas. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Ça, mais il va subir la honte. Pourquoi? Ben justement, la Torah a trouvé une solution. Laquelle? Eh bien, tu peux t'associer avec celui qui va acheter, qui va apporter le Korban Pessah. Vous savez que la Gemara raconte à Psahim, je pense, que Griffas, le roi Griffas, il voulait savoir combien de juifs ils ont apporté le Korban Pessah. Et alors, comment il a compté?
La Gemara dit que Agri fasse, parce qu'on n'a pas le droit de compter. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que, comment il a compté? Il a compté les aliotes, les queues. Parce que les queues, on les sacrifie pas, les queues. Comme à Pessah, la queue, c'est, on ne la sacrifie pas. Il a calculé combien de queues, il a trouvé Elef Alafim. 1 million de queues. Elef Alafim. 1 million de queues. La Gemara le raconte. Il a compté. Et la Gemara a dit, et ça c'est 1 million de queues. C'est-à-dire 1 million des gens qui apportaient le combat de Pessah. Mais on ne calcule pas les enfants, on ne calcule pas les femmes, et on ne calcule pas les binouines. Tous les gens qui se sont associés à ce combat. Ça veut dire qu'il y avait des millions. Des millions. Vous imaginez à Yerushalayim des millions. Mais c'est de la folie. On voit Beit Harabait, c'est 500 000, 600 000, 700 000, 1 million, mais là, il y a des millions. Comment ils étaient des millions? Comment ils étaient des miracles? Par rapport à le Korban Pessah, ce que j'apprends de Korban Pessah, c'est que l'union ici, c'est le Bitachon et l'Emouna. C'est-à-dire que même si je n'ai pas d'argent, je vais aller à Yerushalayim. On va m'appeler, on va me dire, hé, tu n'as pas d'argent, allez, tu vas t'associer avec moi. Allez, avec mes tête sur le bélier, et ça y est, tu auras une part. Imaginez-vous rapporter, il y a 100 personnes, je vous en prie, écoutez ça. Il y a 100 personnes, il y a 100 familles qui sont sur ce. Voilà, regardez-le, voilà un petit mouton comme ça. Un petit mouton. Vous avez un mouton, il y a des petits moutons, il y a des grands moutons. Et moi, j'ai un petit mouton de 5 kilos. Un petit mouton, je l'ai vu des moutons de 5 kilos. 6 kilos, 10 kilos, là, 10 kilos. Il y a 100 personnes, allez, il y a 100 familles. Le balabait, il va dire, qu'est-ce qui va me rester? Combien je vais donner à chacun? Parce que chacun, il va recevoir un petit morceau. Il y a 100%, il y avait la bracha. 100%, il y avait la bracha. Il y avait la bracha. Il y a un raf qui m'a raconté, il y a quelques semaines, une belle histoire. Il a dit que je connais ton père, comme ça il me dit. Mais il dit, je connais votre père et j'ai des bons souvenirs de votre père. Une fois, votre père était Sandak à Beersheba. J'ai dit, ah bon? Alors, il me dit, il était Sandak à Beersheba et le. Parce que ton père, il a béni le Baal Baïch qu'il a. Il lui a dit, si tu as acheté un enfant, je viendrai à Brit Mila. Et il est venu, ton papa. Et ton père, il ne sort pas. Mais il lui a envoyé une voiture et il était Sandak. Mais dans la Souda, il y avait beaucoup de monde. Parce que c'est une famille, il y a beaucoup de familles nombreuses. Et il n'y avait pas assez à manger. Il n'y avait pas couché, il y avait un petit pas. Il y avait un côté qui l'a dit. Alors pourquoi il nous invite celui-là? Il nous invite pour nous tuer de faim. Mais même le pain, il n'y a pas de pain. Alors regarde, c'est. Alors mon père lui dit, ici, on se trouve dans une Souda mitzvah. Comme ça, le Rav, il me raconte. Mon père lui dit, ici c'est Odat Mitzvah. Et sur Odat Mitzvah, on n'est pas venu pour remplir le ventre, on est venu pour goûter. Et c'est Bémé, tu as faim, et si nous tous on a faim, si on est venu pour faire la Mitzvah, il y aura le Bracha. Comme ça, le rave m'a raconté. J'ai alors, il a dit que tout le monde, il a mangé. Il a dit, j'étais présent, il me dit. Tout le monde a mangé. Mamash achlou ve achlou, et manger jusqu'à la fin, il restait la bracha. Et mon père, après, il se retourne vers le monsieur qui était à côté de lui. Il dit, alors, tu as bien mangé? J'ai vu que tu as mangé presque 3 pains. J'étais surveillé. Et tu as mangé, tu vois, là, 2, 3 cuisses de poulet. Hein? Alors, et regarde, les tables, ils sont encore pleins. Regarde la bracha. La bracha. Donc, à même à Pessah, 100% Pessah, il y avait la bracha. Il y avait une bracha. C'est-à-dire que la Torah est venue. Est venue parce qu'à Pessah, je m'excuse, je t'amène avec ça. À Pessah, on brûle le Hametz. On a de la peine. Hein? On jette le whisky, on brûle le Hametz, on jette la farine, et on jette tout. Quelque part, on a de la peine. Ne vous inquiétez pas. Quand tu fais mitzvah, il y aura la bracha. Quand je vais t'apporter la bracha. Quand je vais t'apporter une panace. Quand je vais t'apporter une panace, n'aie pas peur. Bétahbe. Il faut avoir le bitahon quand je vais. Donc, quelque part, à Boutaï, Pessah, c'est une fête de beaucoup. Et aussi à Pessah, lorsque les Juifs ils s'associent dans cet agneau-là, le fait de voir 100 personnes, 100 familles associées, donc le Baal HaBayit qui était riche, il disait, ça veut dire que moi, je suis riche. Moi, je peux me permettre d'acheter un agneau.
Et ceux-là, Bsakan Ma'ando, ceux-là, ils n'ont pas. Même de quoi acheter un agneau, ils n'ont pas. Donc il va réfléchir. Comment moi je vais manger, et ils ne vont pas manger. Donc il va ouvrir ses poches, il va leur donner. Donc quelque part, quand je vois au chou, qui se fait sur place. Comment on sait ceux qui n'ont pas l'argent, eh bien ceux qui viennent s'associer dans un korban pesah. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'ils sont riches ou ils ne sont pas riches, ou ils sont pauvres ou ils ne sont pas pauvres. Le fait déjà de les voir, voilà, il vient pour accomplir la mitzvah, alors ben, le monde, ils vont avoir pitié d'eux, les gens vont... Ils vont... Donc la bouteille pesah, c'est la fête que chacun de nous, il doit s'en... Mais n'oubliez pas le plus important de tout ce que je vous ai dit, pesah, c'est la préparation de Matan Torah. Pesah, c'est la préparation de Matan Torah. Hier, Rav Bergman, le petit-fils de Rav Shach, à la Vachalom, il m'a raconté une super histoire hier sur son grand-père. Il m'a raconté une histoire super. Mais d'une fois, il y a un Rav, écoutez cette histoire-là, pas mâche. Mais d'une fois, il y avait Machou chez la Rav, chez Patemli, à la Banim Shilo, chez Yomitimlo. Rav Avraham Tzvi. Toi, Guichel Rab Don Segal. C'est lui qui m'a raconté. Il m'a dit une fois, il va chez le Rav. Chez Rav Shach, je passe toujours, il perdait les enfants. Et il va chez lui, il lui dit Rav, avec tout ce que je fais des mitzvot, j'étudie la Torah, et je fais. Pourquoi j'ai marre, je ne peux plus accepter perdre des enfants comme ça, je ne peux plus accepter. C'est dur pour moi. Et Rav Shach Alav Hashem lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne sais pas, je peux pas, c'est dur d'accepter. C'est dur d'accepter, je ne suis pas d'accord. Alors Rav Shach lui dit, écoute-moi, il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi avec leurs problèmes. Et lorsque les gens viennent avec leurs problèmes, comment je les console? Je les console lorsque je leur dis, même mon élève, Rav tel et tel, il a perdu 10 enfants. Alors toi, tu as perdu un, pour ça tu fais... Alors Rav Shach, il lui dit, et si toi tu pars comme ça, de qui je vais prendre exemple? Si je dois consoler quelqu'un, comment je vais le consoler? Avec qui? Je vais le consoler par toi, mais toi tu n'es pas d'accord maintenant. C'est de la folie. Alors moi je lui ai dit hier, je dis, Rav Shach, c'est une force qu'il avait de dire ça à ce rave-là. Et ce rave-là, il avait aussi une autre force d'accepter ses paroles. C'est pas facile d'accepter des paroles comme ça. C'est dur. Mais Rabotai, c'est la Emouna. C'est la Emouna. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à savoir que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Il faut qu'on arrive. Et Pessah, c'est la fête. Bémet qui englobe tout. Mamash Pessah, la fête. Regardez la bouteille. La différence qu'il y avait entre Moshe Rabbeinu, Myriam et Paro. Paro Harasha. Mais Paro. Mais Hashem avec quoi? Paro, tu ne connais pas Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, tu connais Akadosh Baruch Hu. Et Paro, il connaît qui est Hashem. Il connaît Am Israël. Il sait qu'Am Israël, ils sont là que des passages en Égypte. Il sait Paro, avec tout le mal qu'il a fait à Am Israël. De plus que l'Égyptien, ils font du mal au Bnei Israël, les Bnei Israël, ils se multiplient. Ils voient ça, Paro. C'est pas Zamak, c'est pas quelque chose. Paro, il voit ça. Il voit le Hémet. Et Paro, il reste toujours rachat. Et la Torah, elle parle beaucoup de Paro. Elle parle. Ben justement, Rabotai, la Torah, elle veut nous montrer la différence qu'il y a entre ces deux-là. La différence qu'il y a entre Paro et rachat, qui connaît le Hémet et qui s'éloigne du Hémet. Et d'autre côté, on voit Myriam, que même l'impossible, elle a tenu à avoir la Emouna dans l'impossible. Alors que Paro, il connaît le Hémet, et lui, il s'éloigne du Hémet. Alors que Myriam, elle aura, a priori, c'est loin de croire à ce qu'elle a, aux prédictions qu'elle a prédit à ses parents sur Moshe Rabbeinu. C'est loin, voilà, maintenant ça y est, il va mourir. D'ailleurs, même sa mère, même la mère de Moshe, elle est partie. Elle a posé le bébé dans le Nil, et elle est partie. Parce qu'elle sait que si ce n'est pas les Égyptiens qui vont le tuer, c'est les crocodiles qui vont tuer Moshe. Mais non. Myriam, elle dit, c'est pas possible. Non.
ותתסב אחותו, מרים אחותו, מרחות לראות מה יעשה לו. Maman, ce que tu penses, allez, tu penses ce que tu penses, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi je suis là pour voir de quelle manière que j'arrive à sauver mon frère, pour libérer Amisraël. C'est la folie. Un qui voit l'émettre, qui s'éloigne de l'émettre, une qui voit l'Ora, tout ce qu'elle a pu voir dans sa dévoile, que ça ne va pas se réaliser, et Bichlal. Bichlal, elle, dans sa tête, ça va se réaliser, et c'est pas possible que ça se réalise pas, mais je suis là pour voir comment ça va se réaliser. De quelle manière? Parce que, c'est irréalisable. D'après Adéchateva, ça va pas se réaliser. Mais elle, elle s'est forcée pour voir comment il va se réaliser. Donc, à Bouddha, c'est ça, Pessah. Il y a beaucoup de gens à Pessah qui n'ont pas de quoi passer Pessah, comme une femme qui vient chez moi cette semaine. Non, aujourd'hui, il veut se marier dans 2 mois, il ne travaille pas, son père il est pauvre, sa mère ne travaille pas. Et je lui dis, mais et tu te maries? Il dit, oui, je me marie. Et quand tu vas te marier? Il lui dit, il y a 2 semaines, mon père il me dit, mon fils, tu es fou. Tu n'es pas normal. Personne ne va venir parce que tu ne vas rien faire. Il n'y a pas de mariage. Et la fille qui tu es, le jour que ses parents ils savent que tu n'as pas un seau dans les poches, ton mariage, il est annulé. Alors lui, il dit à son père, papa, tu vas voir. À Kadosh Baruch Hu, il va nous aider. Il va m'aider. Et tu vas voir, attention, on va passer un bon Pessah. On va aller passer Pessah quelque part. Et son père rigole. Il dit, mon fils, tous les Pessah qu'on a passés, on a passé des Pessah, des Aniyim. Et maintenant tu me dis, tu prépares ton mariage. Mais tu prépares avec quoi? Rabotai, regardez Rabotai. Il y a 1 mois et demi, un oncle à lui est décédé. Il a laissé un héritage. Il a laissé 100 000 euros. À lui seul. Et le jour qu'il a écrit le testament, c'était le jour qu'il s'est inscrit pour se marier. Voilà ce qu'il m'a dit ce matin. Il m'a dit, Rabbi David, Baruch Hashem, j'ai l'argent pour le mariage, j'ai l'argent pour Pessah, et il va même me rester un peu d'argent pour faire un petit commerce. Voilà le bitachon, voilà l'émouna. Celui qui a l'émouna à Kadosh Baruch Hu, celui qui considère à Kadosh Baruch Hu comme un abba, comme un papa, Kadosh Baruch Hu lui donne. Mais c'est Rabotai, on a des doutes. Est-ce que, comme il y a une fois, j'ai dit à quelqu'un, le matin, qu'est-ce qu'on dit dès que son se lève, Hachem, ve'arebna Hachem, que la Torah soit, qu'elle soit arev, qu'elle soit, qu'elle a. Qu'elle soit agréable dans ma bouche, qu'elle soit comme cette pastèque lorsqu'il fait chaud, on mange la pastèque, qu'elle arrive où, parce qu'on boit un beau verre de vin, aïe aïe aïe, mais aïe ça marche les babinos, que lorsqu'on mange un bon steak, que c'est agréable, un steak poivré avec du poivre, aujourd'hui ils ajoutent un peu de miel dans le pot de steak pour qu'il soit un peu plus, et comme ça tu as le goût et du poivre et du miel, comme ça, c'est tellement beau. Alors, c'est ce qu'on dit le matin. Que la Torah soit agréable. Mais dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On allume une cigarette. On boit un café. On voit les textos qu'on a reçus pendant qu'on a dormi. Et les affaires qu'on a reçues. Alors, quelque part, Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est ça, Arevna. Tu me demandes que la Torah soit agréable. Mais toi, tu as déjà choisi la cigarette qui soit agréable dans ta bouche. Oh, déjà, tu as choisi d'autres choses. Qu'est-ce que Ve'arevna? Qu'est-ce que tu me demandes? Tu es en train de jouer avec moi. Ve'arevna. Il faut qu'on montre à Kadosh Baruch Hu que notre arrivout, que ce qui est agréable dans notre bouche, c'est que la Torah. Ceux qui sont dans la Torah agréable, Ve'emet HaKadosh Baruch Hu va lui donner le ta'am de la Torah qui va être agréable dans sa bouche. Mais si un homme stam, il parle,
Quand il y a beaucoup de gens qui disent Be'ezat Hashem, il ne faut même pas le mot Be'ezat Hashem. Mon père, une fois, il a dit à quelqu'un, mon frère, il a dit, lorsque tu dis Be'ezat Hashem, pense Be'ezat Hashem. Ne dis pas Sam Hazé Hashem. Be'ezat Hashem. Pense. C'est quoi Be'ezat Hashem? C'est quoi Hazé Hashem? C'est quoi Imirti Hashem? Il faut penser. C'est pas Sam le dire. Et c'est ça, Rabotaï, lorsqu'on Pesach, il approche, c'est Liot Ben Hurin. Avec tout ce que j'ai expliqué, être un homme libre, pas un homme libre, être un homme libre de Tzara, un homme libre de Hevel Ramazé, un homme libre de Arivut, de Gashmiut, un homme libre pour s'attacher à Arivna Hashem Elokeinu, Bifinu, Bifio, Tarbicha, Bitsa, Bichem Livre. Alors je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Pessah, je ne sais pas si on va se voir jusqu'à après Pessah, Abba Tachem, Kaka Jbaoukou, il vous donne, j'espère que vous avez passé un bon séjour au Kollel avec Rav Tovia Dano. Et j'espère que Be'ezat Hashem, vous allez reprendre votre étude Be'ezat Hashem bien, avec des forces de Pessah. Vous allez venir Be'ezat Hashem avec de nouvelles forces Be'ezat Hashem après Pessah pour affronter l'été Be'ezat Hashem. Et n'oubliez pas que Be'ezmanim, pendant vous êtes assouqués, vous êtes un peu occupés avec Pessah, avec les fêtes de Pessah et préparation de Pessah. Mais n'oubliez pas aussi d'être convaincu avec la Torah pendant la fête de Pessah. Reste Hachem, que Hachem vous donne à vous tous. שמשמור צאתך ובואך מאדם